ma pomme d'oreille. J'ai oublié de me mettre les lunettes d'oreille. Bonjour, bienvenue sur l'amour en soi TV. Alors aujourd'hui, la vidéo que je te partage, c'est sur la vulnérabilité. Montrer sa vulnérabilité. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont peur de montrer leur vulnérabilité? Ou bien tu te dis peut-être que la vulnérabilité est une faiblesse, il ne faut jamais montrer qu'on est faible devant les gens. Ou bien tu te dis aussi que se montrer vulnérable, c'est s'exposer comme ça, c'est se donner en pâture en public. Donc surtout pas, tu es une personne qui aime toujours, qui est perfectionniste, qui aime que quand on te voit toujours sur ton beau jour, ou bien il te faut un beau profil, le meilleur profil. Enfin bref, tu ne veux pas montrer ton côté plus humain, s'il faut le dire. Tu veux qu'on te voit comme une personne parfaite. Sauf que ça ne fonctionne pas. On n'est que des êtres humains. Et en tant qu'être humain, nous nous apprécions les uns les autres quand nous nous reconnaissons. Il n'y a rien de plus... pas détestable, parce qu'on n'est pas là pour se détester. Mais il n'y a rien de plus effrayant pour une personne, qu'une personne qui n'a pas de défaut, aucun défaut. On a beau chercher, on ne lui trouve aucun défaut. Il n'y a rien de plus effrayant. Je me souviens que je regardais la vidéo d'un enseignant spirituel. Il est beau, franchement, cet enseignant spirituel, je le trouve très beau. Et en plus de ça, l'enseignement qu'il donne est tellement profond et il casse plein de mythes. Et quand je le voyais, je me disais, waouh, il est tellement parfait. Il est tellement beau, parfait, intelligent. Et je me disais, ça doit être effrayant de vivre avec un homme comme ça. Je ne sais pas quelle est sa vie privée, hein? Je ne sais pas quel genre de femme qui partage sa vie. Mais je le regardais, je me disais, il est tellement parfait. Que ça doit, je ne sais pas, à quel moment, quelle est la faille chez lui. Et je me demandais, est-ce que je me sentirais en mesure d'être avec une personne comme ça? La réponse pour moi, ça a été non. Parce que je suis une personne tellement vulnérable que je ne pourrais pas supporter quelqu'un qui est parfait sur tous les angles, parce que pour moi, il ne serait pas de ce monde, ce serait un extraterrestre. Donc, oui, montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ça montre que face à l'adversité, parce que c'est sur cette vie, nous sommes confrontés aux obstacles. Il y a des tempêtes qui soufflent, il y a des tourbillons, il y a des, comment on appelle ça, comment ça s'appelle déjà, des ouragans qui soufflent partout. Et si on ne peut pas s'adapter, donc par nos failles, par notre vulnérabilité, face à ces événements qu'il y a dans l'existence, c'est qu'on ne peut pas, on n'est pas fait pour vivre sur Terre, parce que sur la Terre, c'est une école où les gens sont là pour se perfectionner. On est là pour être perfectible. Et si on est là pour être perfectible, ça veut dire que quelque part, on est vulnérable. Donc, on a des vulnérabilités en nous et il n'y a pas de honte à ça, à se montrer vulnérable. C'est complètement OK. Donc,
Le message d'aujourd'hui, c'était de te dire que si tu es une personne qui est vulnérable, n'aie pas honte de ta vulnérabilité. Affiche ouvertement que tu es une personne vulnérable. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye!